film là. Les amis, incroyable, mais vrai, on continue la série de vlogs. Mais c'est mes vidéos préférées, les amis. C'est les vidéos parcs d'attraction. Et pour l'occasion, on est aux États-Unis, les gars. On est à Tampa, une ville à côté d'Orlando, en Floride, avec Florida. Bah oui, il est pas là, Florida. Une musique de Florida dans les commentaires tout de suite. La Floride, c'est les crocodiles, c'est la chaleur, c'est les petits palmiers qu'on aime bien. Et là, on est au Busch Gardens Tampa. C'est l'un des meilleurs parcs d'attractions du monde avec les meilleurs roller coasters. Les roller coasters montagnes russes avec le plus de sensations fortes, les amis. Pour cette occasion, les amis, je suis tout seul. Après mon voyage au Japon, j'ai décidé de faire plein de vidéos tout seul. Donc voilà, c'est mon petit kiff. Mais avant, les amis, on va aller faire un petit tour aux toilettes parce que je peux vous dire que j'ai la planche, les gars. Elle est complètement remplie. Salut, Ben. Marceau ? Sacha ? C'est vous? C'est vous les gars? Sacha Americans? You speak French? No, just English. Mais ouais, je suis pas fou, Sacha. Wow, wow, wow! Sorry, sorry, it's Insta 360? Très très chien les amis parce que le sponsor de notre vidéo aujourd'hui n'est autre que Insta 360, la caméra avec lesquelles auparavant sur mes précédents épisodes des parcs d'attractions, je filmais tous les roller coasters, donc c'est un truc de fou, une vraie fierté. Merci à Insta 360 et à l'occasion, eh bien, on fait la promotion de la nouvelle caméra, la X3, est complètement folle. Elle a des nouvelles particularités par rapport à la X2 et l'une de ces particularités les amis, c'est tout d'abord la stabilisation flow state, ce qui va vous permettre d'avoir une stabilisation hors norme même avec un putain de séisme sur l'échelle de 9,9 de Richter. C'est Richter. C'est quoi? C'est Richter. Sur Richter. Frérot, tu peux être comme ça, séisme de fou, la caméra reste droite. Donc imagine dans un roller coaster, frérot, ça, la stabilisation du pipi de chat pour elle. En plus de ça, en post-production, vous avez énormément de fonctionnalités qui sont richissimes. Vous avez énormément de fonctionnalités qui sont trop cool, les amis, comme l'horizon lock qui va vous permettre de garder une ligne d'horizon stable, nette et précise. Et ça, ben, quand tu fais des loopings, cousin, je peux te dire qu'il n'y a pas mieux. Et là, tu vois, par exemple, il n'y a pas l'horizon lock. Et non. Cette perche, aussi simple, grande et dure soit-elle, devient automatiquement invisible lors de vos rushs. Avec l'Insta 360, les amis, vous allez pouvoir capturer tous vos moments sans avoir ne serait-ce qu'un soupçon de peur d'en louper une seule goutte. Toujours des phrases compliquées, le Benjos. Un soupçon. La X3, les amis, c'est une pure caméra de polyvalence créative. Avec ça, les amis, bien entendu, que ce soit pour les parcs d'attraction, capturer des moments en vacances avec vos familles ou bien pour le sport à haute intensité. Intensité. Comment on dit les sports extrêmes? Les sports extrêmes avec ça? Tu fais du surf? C'est extrême le surf? Tu peux faire pire, tu peux faire pire. Du piano. Piano? C'est extrême frère, des fois tu peux te coincer le doigt dans la touche ou quoi, c'est galère. Les amis, vous l'avez compris, pour cette vidéo, il y a mes frérots, Sacha et Marceau qui m'accompagnent. Ça va être un truc de fou et on va se régaler. Les amis, vous êtes contents d'être ici? Très content pour l'instant, Benji, c'est mon meilleur tournage. C'est vrai? Quoi? Parce qu'on a fait plein de trucs jusqu'à là, mais vous avez pas vu vous, mais en off, c'était trop bien. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on est brûlés au troisième degré. Ah oui. Pour raconter un peu les off, il y a un truc qui s'est passé en off qui m'énerve énormément, c'est que ça. Regardez la taille de mon doigt. Dès que je fais un tournage, je me pète un truc. Dernier tournage de Sacha, je me suis claqué la cuisse. Ouais, il est comme moi. Mais normal. Si on compare au tien, bien sûr, frérot. On va faire des attractions? On va faire des attractions, frérot. Non, c'est pas l'attraction, il y a le roller coaster avec le plus de sensations au monde. J'ai plus que Sylvester. Ouais. Plus que Shambhala. Ouais. Plus que Aluna Park Fréjus. Ouais. Plus que les tasses à Disney. Les tasses. Wesh les gars, on est aux States. Enfin pas attraction aux States les gars. On n'a pas expliqué, dès qu'il y en a un qui lance là. Là on part sur une petite glace. C'est le jeu de voyage. Allez, une petite glace. Non, non, non. Si. Non, j'ai l'impression. Il y a un truc d'eau. Les gars, regardez, je vous montre. Vous voulez que je vous fasse un petit topo? Ouais. Là, tout ça, c'est l'Egypte. Ça, c'est l'un des plus gros roller coasters du monde. Et celui-là, c'est le deuxième. Donc, ça, c'est les deux plus gros. Par contre, tu me rends fou parce que j'ai la pancarte. Il y a un tremblement de terre en Afrique, là, je crois, Benji. On commence par quoi, la Benji? Je m'ennuie là. Une petite glace? Une petite glace? Tu veux même une petite glace? Non, non, demande Marceau, là, des goodies. C'est quoi ça? C'est des maracas? C'est des sabres laser africains? C'est un organisateur. Bon, on y va, Benji? On n'est pas là pour s'arrêter. J'aime, ça donne envie de danser ça. Je vois comment tu danses, ça. Ok, c'est pas mal.
ça te plaît? Mais oui, j'ai le groupe. J'ai faim. Mais arrête, attends, t'as faim, t'es chiant. J'ai mangé ta glace ou pas avant? Non, papa, j'ai faim. Non, arrêtez, pas de glace. J'ai faim, papa. Écoute-moi. Papa, j'ai faim. Tu veux qu'il est insupportable? Il est insupportable depuis le début du voyage, les gars, j'en ai marre. Et Marceau et Sacha, c'est vraiment les deux ensemble. C'est comme. Papa. C'est comme un... Non, mais touche pas mes manches. Marceau, je vais te louer un petit siège roulant. Oh yes, let's go. Oh, il y a des alligators. Oh, il y a des crocodiles. Il y a des crocos. Wow, le délire. C'est dangereux les crocos ou pas? Un peu. Hein. Ça peut bouffer? Crocodile, dans crocodile, il y a crocs. Les crocs. Merci la Ça c'est le tout en canon roller coaster. Tout en canon? Ouais. Ça c'est vraiment, on commence par la petite mise en jambe. La mise en bouche. La mise en bouche ça? C'est la mise en bouche. C'est un peu comme le Furious Baku, ça part direct. Ça part direct, cache instant. De 0 à 60 miles par seconde. Donc là, ça dépote en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouh. Tu veux le prendre? Tu nous as régalé, frère, il a pris des fast pass pour tous les parcs. Du coup, là, regardez, il y a zéro queue. Et là, en vrai, c'est la queue des lambda. Incroyable, frère. Ça va. T'es où? mais comment tu peux réagir comme ça? C'est sur TikTok. Comment tu peux... T'étais sur TikTok ouais, là? Je me rendais le TikTok. Frère, trop simple frère. Tu vas même faire des meilleurs alors que t'as du monde frère. Ouais, trop simple. La mise en bouche, on commence. On commence doucement. La mise en bouche, frérot, c'est des petits canapés avec du saumon et du tartare. Vous avez vu comme il était long? Il a duré au moins 3 minutes frère. J'ai le temps de repenser à ma première fois. Il dure max. Je me suis refait 3 minutes. Tu te l'as refait deux fois. Les amis, à l'occasion, on a un nouveau confessionnal. Ils nous ont préparé carrément une cabine juste pour ma vidéo. Merci Bush Garden. Merci Bush Garden, c'est incroyable. Je voulais pas y avoir un confessionnal. Tu ajouteras ça au montage, Damien. Damien, il me déteste, frère. Toujours, je fais ça dans les vidéos. Les amis, on a commencé cette journée avec le Cheetah Hunt. Petit roller coaster, grand roller coaster, très très long. Des petites sensations qu'il fallait. Très beau, très jaune, ensoleillé. La chaleur, par contre, qui tape sur le crâne. Et je crois que j'étais un petit lu. Pour ce roller coaster, les amis, je mets la note de 7 sur 10. Long, habile et beau. Ok, les amis, nouveau confesse. J'adore le décor du nouveau confesse. Première attraction, franchement, une mise en bouche sympa. Des petites sensations. On n'est pas sur du Silver Star ou sur du Shambhala, mais c'est pas mal. Décor très beau, on se croirait vraiment en Afrique. Je mettrais pour la première 6,5 sur 10. J'ai énormément d'attentes sur ce parc. Donc 6,5 la première, très sympa la mise en bouche. Ok, ben on a bien commencé. Très facile quand même. L'accélération. Simple, ça vaut pas un Furious Baku. À un moment, on passe dans des rapides et tout, c'est fou. Très beau, pas mal de trucs variés et tout. Je dirais 6,5 parce que c'est le début. Vous abusez tous les deux 6,5 le genre. Eh, hey, t'écoutes pas, on écoute pas. On n'écoute pas. Non. T'as mis combien, on a dit toi? J'ai mis 7, frère. Mais 7, ça vaut pas un 7, ça. Attends, 7. Vous abusez 6,5, j'ai mis 7. Il y a 0,5 d'écart, frère. On c'est pas. Énorme pour ce genre de qualité, c'est énorme. Les gars, vous avez vu comment je transpire du visage? Bah, le dos, c'est comment là? Mais de base, le t-shirt, il est bleu foncé ou bleu clair? Il a déteint là, avec la transpiration. Comment on ouvre cette bouteille? Attends, mais je suis pas aussi con que ça quand même. Ah, fallait tourner. Personne. T'es une pute. Je te jure, j'ai trop vu d'un coup. Ça me rend vraiment fou qu'il fait 40 degrés pour la première attraction. Ah, c'est
c'était bien en hiver. C'est pourquoi les girafes c'était des chevaux de base. Tu sais qu'à la base c'était des chevaux les girafes. Ça veut dire quoi cette phrase? Il y a un problème, c'est quoi comment elles ont muté? Ah ok, non, je comprends pas. Parce que en fait c'est un coup monté. Oh, c'est quoi ça? T'es mal, Gozla, c'est là, frérot. Dylan, c'est Gozla, frère? Putain, mais c'est la régalousse pour eux là. Wesh, il sort ses ailes. Il sort ses ailes, le frérot. What? Comment tu fais? Les gars? Marceau, nous fais-nous une petite danse des épaules. Marceau, la dernière, je t'ai pas, je t'avais tranquille. Ça me dégoûte quand tu le fais. Je le dis, voilà. Ça me dégoûte. Tu sais lire les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, c'est pas des choses précises, genre c'est pas des mots précis. Mais y a pas de genre, y a pas de règle de pour aller au passé. Ouais, y a pas de E, E, S, T ou des trucs comme ça. Ok, ça c'est chiant. Non, merde, non. Et tu vois là, y a marqué quoi là? Attraction, parc, États-Unis. Jolo? Non. Ça, cite-moi trois dieux égyptiens. Osiris. Ouais. Osiris Jack. Ré. Ouais. C'est pas Ra? Ra. Ouais. Rue. Ro. Marceau, trois dieux égyptiens. On va chercher une glace ou quoi? Après le cobra. Ça, c'est à taille minimale. C'est bon. Vas-y, tu passes toi. Enfin, je suis vraiment petit moi en vrai. Tu peux pas. Donc tu nous attends là, Benji? Tu peux pas. Ah, je peux pas? Non. Vas-y, frère. On te dira comment c'est. Il rattrape rien, depuis hier, il rattrape rien. Oh, les gars, on est dans une grotte. Anubis. Tu sais que Anubis, c'est le dieu de... du sexe. C'est ça? Tu sais que ça pesait comme des chiens à l'époque, frérot, en Égypte. Tu sais, c'était quoi leur capote à l'époque? De la peau de serpent. Pas virus, no fake. Ils foutaient leur fou dans de la peau de serpent, frère. Mais vas-y, ça me dégoûte quand tu parles de ça, ça me dégoûte. Je préfère devenir m'abstenir pendant 4 ans de baiser. Les gars, c'est un tombeau. Votre tombeau. Déjà. Putain, ça fait penser à Astérix, Obélix, mission Cléopâtre. Sera votre. Oh, c'est magnifique. C'est stylé. Je crois qu'il y avait des bêtes mythologiques à l'époque de l'Égypte, Sacha. Ouais, des trucs qu'on n'a pas connus. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh, fils de pute. Oh putain. Ça y est, il a la malédiction du pharaon. Marceau, t'as la malédiction. C'est la malédiction du pharaon. J'adore cette malédiction. Si je la fais rentrer, comme ça, là. Ouais. T'es revenu. AdSense de cette vidéo, je me les passe. Vas-y, donne. T'es vraiment nul. Non, moi, si j'arrive, je prends les vues de ta prochaine vidéo. Vas-y. C'est la vidéo, elle va faire des vues, cousin, donc. Arrêtez, moi, je tente pas de flip, je suis joueur. Si j'arrive sans confiance, je te passe tout. Oh. Voilà, c'était le petit jeu pour détendre l'atmosphère pendant la queue. Aïe. From the cobra's curse. Hey, this is it. What's up? Let's go! J'ai bloqué, frère. Ah, j'ai vomi.
Ok les amis, deuxième attraction. Pour moi, le meilleur dans cette attraction, c'était de voir les girafes au loin. Il n'y a pas trop de sensations, ça se retourne un peu, c'est original. Mais ça peut être pas 3 patins de canard, moi je mettrais la note de 5,5. Moi les gars, je suis resté complètement bloqué, j'ai rien profité de l'attraction. J'ai senti quand même le seul truc qui m'a fait un peu d'effet, c'est quand ça a tourné sur soi-même. La descente en arrière, pas mal. Je mets la note de 4,5 sur 10. Zéro. Les amis, on est toujours en Égypte et on enchaîne avec l'attraction Montu. Celle-ci, c'est la plus corsée de tout l'Égypte. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais elle a l'air horrible. Elle a l'air très longue, Péro, et là, faut pas avoir le vomi. Oh putain, je sens pas celui-là, les gars. Ouais. Là, je sens pas bien. J'ai 25 ans et je crois que je commence déjà à passer de l'autre côté de la vieillesse. Il m'a enculé, frère. Quand t'allais aux toilettes là, c'est pour vomir? Non, mais j'étais pas bien, frère. J'étais pas bien. Il me fallait un peu de froid. J'étais pas bien. Il est fou. C'est un peu comme dans Osiris, c'est Astérix, c'est tenu par le haut. C'est incroyable. Mais frère, il est long, cousin. Au bout d'un moment, il y a d'autres attractions. Ils ont mis trop d'argent dans l'attraction. Ils ont dit celle-là, on va la faire durer 4 heures. Frère, en vrai, moi je mets. Allez, 8 sur 10 parce qu'elle est incroyable, mais franchement, j'ai des remontées assises, des holkers, et ça c'est trop vieux pour ça. En dessous de 25 ans, c'est bon au-dessus, c'est bon. Là, il y avait un truc que j'arrivais pas à décrire, c'est exactement ça. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je l'aurais fait vraiment il y a un an, c'était parfait, mais là, waouh, il m'a reculé. Mais le nombre de loopings qu'il y a, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai plus envie de voir le soleil comme ça. J'ai plus envie. Ça part sur un 9, merci beaucoup. Vous savez, c'est que le casse-croûte ça, les gars, encore. Tu vois pas que ça s'est passé sur Vendure, voilà, moi, je vous dis la vérité, ça c'est que le casse-croûte, les filles. Non, mais les loopings, mais je crois là... que ça, c'est les dernières vidéos par l'attraction. Après, moi, je les gars, pour l'instant, c'est mon roller coaster préféré du parc. Je savais pas où c'est qui me trimballait. Et je t'ai trimballé, frère, la dernière, comme un sachet plastique. J'étais fatingué, droite, gauche, on dirait. Oh l'odeur. C'est insupportable. Vas-y, parle fort. On l'a fait de là. Et je mets la note de 8 sur 10. Ok. Meilleur d'Égypte, vous l'avez dit, les gars. Looping sur looping. C'est fou. Thank you. On sent que tu prends une petite pause avec les frères, vous préférez manger quoi? Je mange tout, frère, je mange tout. Oh, t'as mangé de la girafe? Tu en peux goûter la girafe? Ouais, là, girafe bar. Non, mais c'est le nom du bar, Sacha, que tu me racontes. Mais tu crois qu'il s'appelle girafe bar? T'es bête. Au Burger King, on mange quoi? Du coup de girafe, je bouffe du coup de girafe. Des clous de girafe. Des clous? Ouais, tu sais, la carte, ça marquait tu. Mais c'est juste un bar, bande de connards. C'est du pipi de girafe, jaune. Allez, c'est bon. Bon les gars, on a bien rechargé les batteries. Par contre, la tête de ma mère, regardez combien on a payé les gars. Pour une part de pizza et des frites, 30$. J'en ai eu pour 40$. T'as pris quoi? Frites, part de pizza et deux fois du coca parce que j'ai trop soif. Non, franchement, les têtes, c'est l'enculerie totale, frérot. J'arrive, je fais une course, sérieux? Elle me dit, you have to pay. Par contre, c'est abusé, tout le monde est désagréable. Soit archi désagréable, soit archi. Quand par là, ceux qui sont en surpoids, à chaque fois. Ça, c'est un galou de mon petit sachou. Ah, tu me fais chier avec tes coups de soleil. Tu me fais chier depuis tout à l'heure, je touche même coups de soleil. T'as acheté une crème, elle protège, vraiment bien. Hier, on s'est fait un petit moment détente au parc aquatique. Ah, un rush tout de suite. Regardez mon nouveau champ. Tu l'as acheté quand ce chat? Hier soir. Les gars, petite glace. Oh, petite glace. Toi, tu t'arriverais à vivre facilement dans un milieu hostile, j'ai l'impression, Marcelin Z. J'essaie, sauf que je me tâcherai.
Tu quoi? Sa vie, c'est quoi? C'est juste faire les culottés, ça, Sacha. Mais c'est faire rien. Tu piles ta vie? Tu mets un canapé là, c'est toi? Ah oui. T'as pas envie de toucher aussi, un peu comme toi, tu sais, ça. Ouais. Rocailleux un peu, tu sais. Mais qui c'est qui parle, frère? T'es ton rocailleux deux fois? Moi, je suis un caillou. T'es rocailleux par rapport à lui. Ça, c'est la plus grande du monde. Non, mais c'est la plus grande. C'est l'une des plus grandes. C'est l'une des plus grandes du monde. De 36 pieds. En tout cas, moi, quand j'ai regardé sur le compte Instagram Roller Coaster, connaître Roller Coaster, j'étais ébloui. J'ai dit, putain, faut que j'aille à jouer à Star Attraction. Du coup, j'en ai déduit, moi tout seul, que c'était le meilleur du monde. Voilà pourquoi les gens sortent. Les dernières fois, je te faisais confiance. Après, je me dis, c'est beau, on ne peut pas mentir sur un truc, c'est quoi, je vais lui faire confiance. Mais maintenant, je ne fais pas confiance sur rien. J'ai 200 pieds, frère, ça va pas compte. Combien en mètre? C'est pas 6 pieds? Ça dépend si tu fais du 41 ou du 46. Oh putain, elle est folle celle-là. Elle est folle, tu buzz. Celle-là, elle est folle, frère. Je suis même pas j'ai regardé tous les rides de Planète Roller Coaster. Sur tous les rides, celui-là, c'était le meilleur. Non, mon mec. Je viens de vérifier les amis sur Internet. Elle est deuxième. Donc, t'as dit, à mon mensonge, j'ai proche de la vérité. Elle est deuxième quoi? Ouais, de quoi alors? Top Rocket Roller Coaster de The World. Sa mère les gars, je flippe là. Sa mère, le jeu reste. Oh là 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 là, Warzazat. Les amis, Liron, Guazi, putain la tête de ma mère, c'était un truc de dingue. En fait, c'est polyvalent, c'était cardiaque. Je suis resté scotché tout le long de l'attraction, frérot, je suis resté scotché. Mais c'est pas l'attraction vraiment qui sera meilleure que Shambhala ou meilleure que le Silver Star. Pour moi, je l'ai mis au même niveau. C'est un 9 sur 10, les gars. Mais c'est pas la meilleure attraction et je l'ai mis au même pied, au même niveau. Je me souviens plus trop de l'attraction, mais dans mes souvenirs, elle était bien. Du coup, je vais mettre 7,5. Mais Marceau, t'as plus de fou là. Non, mais c'est ça, c'est ça. Elle était bien ou pas? Elle était vraiment bien. Frérot, la fin d'attraction, j'ai vu tes cheveux, cousin, ils étaient tous plaqués en arrière, on aurait dit Elvis Presley. Non, je fais les cheveux en arrière, justement. Marceau, c'était grave beau dans l'attraction. 8,5. Et alors pour la deuxième mieux ranked, la mieux notée du monde, elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle est longue, bordel. Elle est si longue. Je crois que comme encore je suis trop vieux pour ces conneries. Elle vaut le Shambhala, elle vaut le Silver Star. Je lui mets la note de 9, même si l'armature elle est un peu vieille. J'ai vu un peu les boulons, mais c'est en train de se desserrer. Non, 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 non. C'est 9, frère. C'est si, 9. Si. Oh, oh, c'est stylé ça. On fait ça, j'ai chaud. On fait ça, allez. Allez, mon Ben. Allez. Allez mon Ben, s'il vous plaît. C'est 49 degrés, je peux plus. Mon Ben, je voulais vous réchauffer avant de faire. Non, le Shakira. Si, si, il s'appelle Shakira. Il s'appelle Shakira le rouge là. On veut pas ce cheval. Vous voulez vous refroidir? Non, vas-y, on peut rafraîchir. Les deux dans l'ordre que tu veux. On y va. Moi, je veux de la sensace. Ok, on fait le rouge et ensuite on se rafraîchit. Vas-y. Allez, on se rafraîchit. Non, mais non, mais non, c'est pas pro. Il y a plein de fils, de batteries, de trucs électroniques qui vont court-circuiter. Tout va court-circuiter. Court-circuit. Il a un trou, tu penses? Un court-circuité. Je m'en fais chier pour un putain de train de merde, frérot. Tu vas à la gare de Carcassonne, il y a des TGV partout toutes les 5 minutes, cousin. Truc de fou, ça fait. Wesh, va canne à pêche. J'arrive pas à comprendre ton énergie, elle est trop sinusoïdale. Mais oui, c'est ça. Je lui dis quoi avant le voyage? T'as nuré là, c'est ton énergie. Je lui dis dormir avant le voyage parce qu'à bien j'ai une énergie, elle est folle. T'as pas d'énergie. Bon Ben, Sacha, je te donne 10 euros si t'arrives à en mettre un dans le. Merci, je suis chaud. Hello. Hey boy. Yeah. You got 3 shots for $10, or you can get 8 shots for $20. 8 for 20. Vas-y. Qu'est-ce qu'on veut? Non, 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 mais là. Là, c'est catastrophique, t'as fait aucun effort, cousin. Oh! On va le faire à l'envers. Non, 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 non! Tu vas pas tout gâcher! Si j'arrive, c'est incroyable ou pas? Oui.
Je viens placer là. Vas-y. Non mais non, on l'a perdu. J'ai remis 10 balles. Tu sais, je viens d'avoir trimballé la grosse peluche si tu gagnes là. Oh, Sacha, tu fais pas non. Ça en cloche, ça va jamais rentrer. Oh, comment en cloche de ouf. Oh. Putain, Marceau, t'es pas loin, la tête de la mer, t'es pas loin, frérot, à chaque fois. Allez, balance-moi ça. Oh, 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 oh. Oui, 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 oui. J'ai dit celui-là. Allez, Marceau, appuie-toi. Bon, amène-moi un copain en chien. Oh, oh. Ah, c'est fou. Putain, on revenait avec deux chiens, ça aurait été fou. Let's go, les toutous. Tu prends lequel? Prends le noir, prends le noir. Le noir, il est stylé, hein. Thank you, yes. Thank you, boy. It's up to you, man. You can choose. Josh. Josh. Nice. Josh. Let's go, Josh. Josh, baby. Tu pourrais dormir avec Josh? Non. Mais à chaque fois, il y en a un qui est tout seul dans le lit. Il est dur. Il est trop dur, Josh. Josh, il est congestionné, cousin. Non, il sort de la salle. Écoute, il coûte 1$ de production, le bas de coup. J'ai payé 40$. J'aime trop Josh. Tu veux cramer dans l'avion? Frère, je sais pas comment je vais faire, il est trop gros, il se plie pas. C'est pas une peluche molle, c'est une peluche dure. Demain je peux pas venir au Pourquoi parc. J'ai personne pour garder Josh. On va appeler nous, Il y a plein de craquettes autour de l'hôtel, cousin, t'inquiète pas, ils vont bien s'en occuper. Faut le laver et tout, moi je reste avec lui, frère. Non, ça tu viens de l'avoir, faut l'amener, je suis le veto et tout. Ouais, frère, non, mais moi c'est trop compliqué là avec Josh et tout, c'est une galère, frère. T'as fait quoi? Arrête, vas-y. Marceau. Oh non. Tu le laisses tranquille. Oh non, Josh. Tu le laisses tranquille. Tu vas s'appliquer par des abeilles, non, Marceau. Josh, tu le laisses tranquille, baby. Mon chien, toi, il t'embête trop. Hein. Arrête! Vous avez déjà vu les flammes roses, les gars? Non! Hein? Waouh, ils sont vraiment roses dans le registre. Je vais vous enculer, moi. C'est parce qu'ils mangent des crevettes, je crois. Des crevettes microscopiques. Ah! On dirait bougeant. Regardez l'écureuil, les gars! Regardez l'écureuil! On dirait moi de ouf! Les gars, on dirait pas moi de ouf! Si! La même queue. Toi, t'as une queue ébouriffée un peu. Non, c'est sûr, comme les chiens. Non, c'est trop mimi. Il veut pourrait, il peut pas le faire. Je peux pas. Non, mais je peux pas aller tout seul. Il passe pas? Eh, mais maintenant j'ai des restes. C'est quoi qui bloque? Oh, si, voilà. Imagine. C'est là qui m'a donné envie d'aller en bas attraction. Je suis fatigué. Ah ouais? Je suis fatigué. Comment vous pouvez être fatigué? On tape des mains. On tape des mains. Allez, Marceau. Oh non, ils nous ont bloqué. Sacha, non, je fais caca. Sacha, je fais caca là. Oh, je me barre. J'en ai marre. C'est fini.
de ouf en fait. Mais c'est un truc de fou que personne capte quand même. J'ai jamais vu un mec aussi flac que moi, cousin. Et je passe crème. À la pente comme ça, Marceau. Je crois que c'était trop, frère. Marceau, là. Je le refais. Moi, je suis chaud. T'es chaud, toi? Marceau, viens, on va se mouiller. On va en faire un, on va se mouiller. Marceau, viens. Vraiment, un gosse de 3 ans. Mais pas, il bave sur lui. Il bave sur lui. Marceau, t'as pas dans le sac? Il y avait trop de looping. Ah, ça lui a atteint le cerveau, ça l'a son cerveau il s'est remis à l'envers. Il parle à l'envers, Sacha, tout ce qu'il fait c'est à l'envers. Il va aller en avant, il va en arrière. Faut le refaire pour mettre à l'endroit, je crois. Les gars, on va se mouiller maintenant. Ça va être désagréable à souhait, Sacha. Les cousins, on transforme quelque chose qui était 100% agréable en une perf maintenant. Le Sakira, les gars, c'était pontu. Mais en vrai, ça vaut pas. Un Dragon Khan, ça, un morceau Dragon Khan, ça ressemble beaucoup parce que là, ça fait c'est que c'est full looping. Le Shakira, c'est full looping, pentu 90 degrés. Je mets un 7,5 sur 10, manque juste de réalisme. Manque de réalisme, ce... Et toi, Joshua, tu mets combien? Je l'ai pas fait, introduit. Non, Marceau, attends, Marceau, putain, Marceau, reprends-le, sors-le. Je t'avais dit, faut le surveiller quand il est comme ça. Marceau, viens. Tu veux faire des loopings? Viens. Demandez la note, Piano. Tu veux dire une note? Non. Marceau. Lâche. Donne-moi une note. C'est bon? Pour moi, c'est tout simplement la meilleure du parc. Je m'explique. On l'a fait front row, premier rang. On s'est arrêté avant la descente, donc on avait une vue comme ça. On allait tomber, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de sensations de descente que de vrille et de looping. Et moi, ça, je préfère. Je lui mets la note. L'excellente note de 9,5 sur 10. 9,5 sur 10, t'abuses. Pour moi, c'est la meilleure du parc pour l'instant. J'ai pas réussi à garder Marceau, il passe sur Joshua. Non, putain, mais... Non, mais Marceau, respect. De la tête. Mais ça me dégoûte. Là, ça me fait zéro rire. Ça me fait zéro rire. Attrape ça. C'est qui le plus chien des deux, là hein? Mais regarde, il est tout mouillé, là. Maintenant. Bah, mais Marceau... Regarde, il est irrattrapable. Mais tu lui as mis du gel, quoi. T'as pas vu... Bah Non, t'as buté Marceau. Ah, arrête Marceau, ça tombe sur les chaussures. Oui, Marceau, c'est bon. Ça pleut dans la voiture. Il y a quelqu'un. Oh non, ça pleut dans la voiture. Hey. Oh non, j'avais des dollars, ils sont foutés. J'ai mes dollars. C'est la merde. C'est la pire attraction. Franchement les gars, on est à Orlando, c'est un kiff de fou les gars. C'est un kiff de fou. Ah c'est un peu. Non vas-y c'est Marceau. Sacha, viens après l'attraction, on l'attrape à toi, on l'encule. Tiens, encule de s'il te plaît. Mais oublie pas que je suis là. La photo, t'as de la chance. T'as fait comme ça mon balai. Tu vas la faire. Mais c'est quel vision pour toi. Il va manquer, cache-la. Et voilà, t'as fait passer à côté de moi. Oh non, t'as calme. Non. Please okay. Sit upright, hold on tight, and brace for a sudden slowdown at the bottom of the hill. Thank you. Il a enculé Sacha, parce qu'il s'est mis à l'envers. Cousin, t'as arrêté l'attraction. Ça démarre! Mais d'où là? Ça ne va rien! Mais non! Mais bon! C'est le contre-bénéfice de la journée là, il est terrible! Marceau! Je suis dégoûté, frère!
amis, dernier roller coaster de la journée. Celui-là, les gars, c'est aussi du full looping. Hein. Oh non, Sacha. Sans lui de ce mode. Sans lui de cette transformation, il m'en fout. Je pense qu'il faut lui refaut quelques loopings. Il faut lui refaut quelques loopings. Un nombre de loopings pair. Il y en a 4 là. Non, quand il sort, il sera normal. Il marche quand même, gorille. Pas comme toi. Pardon. Tu veux qu'on aille manger quoi ce soir? Ok, et toi Marceau, tu veux aller manger quoi ce soir? Marceau, tu veux aller manger quoi ce soir? Ça t'est un burger. Marceau, il est pas chaud pour être à Cobel, Sacha. Mais moi j'en ai marre. Là c'est bon. Je veux dire, là c'est bon. Là j'ai tout bien. Là c'est bon, mec. Ouais, la mère, le Pouba là. C'était trop, les gars. Franchement, il tuait sa mère, mais en fin de journée, c'était le roller coaster de trop. J'ai mis la note de 8 sur 10. Marceau, je t'ai vu, trop de looping. Dommage, franchement, il aurait pu taper du 8-5, mais trop de looping. Je fais ça en début de journée, c'est un 8. Maintenant, c'est un 8. Je fais ça maintenant, c'est un 0. Ça t'a remis les pendules à l'air. Laissez-moi partir. C'est bon, c'était le dernier. Ouais, là c'est bref. Désolé, là c'est bref. Celui-là c'est bref, y'a que du looping. Ça te roule la tête à l'endroit, J'en peux plus, frère. T'as pas kiffé la journée? Ah, journée incroyable. J'étais plus à l'envers qu'à l'endroit. C'est quoi le pire, une journée à Busch Garden ou une bouteille de whisky cul sec? C'est pire, une journée à Busch Garden. C'est vrai, je suis fria, frère. Moi je mets la note de 5,5 sur 10. Oh. Ouais, je suis dur. Mais y'a pas de grosse descente. Avec des loopings et moi c'est pas mon kef. Vous avez mis combien vous? Moi j'ai mis 8, Marceau l'a mis 0. Non, mais il veut pas mettre 0 dès qu'il est un peu mécontent. Il est comment, il bave ou c'est bon là? Là c'est bon, il s'est remis à l'endroit là. Non. Ah non, il y a des séquelles encore quand même. On va laisser ici, Sacha. On laisse là, nique ta mère, c'est bon. Tu comprennes la capsule passe temporelle? C'est chaud? Vous amène directement à l'hôtel? Non, arrête. Oui, je te jure. Marceau, on va à l'hôtel. Le chien. Il va nous rejoindre. Ici, où c'est? D'accord, on va à l'hôtel. Je te mets des habits, mais tu... Bon, allez, on se couche. Bonne nuit. Je vous dis bonne nuit, les gars. Ah, demain, on continue Busch Garden, les amis. On a encore quelques attractions à faire. Marceau. Sacha, quoi? Quoi couvert? Marceau. Marceau, si je te dis 3-2, tu sais, tu connais le résultat ou pas? Apagna. Bien joué, les gars. Mais dis pourquoi Marceau il dort tout seul? Il dort pas tout seul, je vois. Je vais vous dire haut et fort pourquoi Marceau il dort tout seul. Parce que je suis une putain de pute et que vous marchez dessus tout le temps. Moi à chaque fois je me fais baiser. Dès qu'il y a un truc, on dit un truc, ouais vas-y, mais on dort tout seul, on fait une règle, etc. Moi à chaque fois on marche dessus et je suis trop gentil. Mais vas-y, continue à me niquer dessus. Comme tu chie-moi dessus, frérot. Idée, moi je dors tout seul, Marceau tout seul, tout tard là. Ah, mais de ouf! Bah oui, c'est très bien. Allez, merci. On te met une petite couverture, tu couches ça et t'as tes pépouses. Non, sinon on n'a pas de couverture. Ah, c'est juste un petit coussin. Tu veux un petit coussin? Oh, s'il te plaît, Benji, je peux dormir à ta place. Non, vas-y, je te laisse là, frérot. Ben, je serai vite. Oh, j'ai dormi de ouf là, même le sol. Oh, le dos. Mon gars, il y a le parc. Oh, le dos. Oh non, Marceau, il dort encore. Très bien, Marceau, Sacha. Allez, on y va les amis, deuxième journée à Busch Garden Tampa, c'est la dernière et on espère que vous allez kiffer parce que aujourd'hui, attraction de taille. Regarde, s'il fait. Non. Attraction de taille, c'est la balançoire géante là. La balançoire géante, frérot. Ouais, je sais pas, sinon je vais dégueuler tout à l'heure, mais je
Je me sens tout qui tourne. Les gars, j'ai mal au doigt, j'ai un doigt mousse. J'ai envie de repasser. Oh non, mon sac hein. Alors ça c'est fou, pour aller au parc d'attraction les amis, on a un petit tram. Comment des trucs des Américains ça? Comment un truc d'un Merloc? Hé, les trucs ils me laissent tout seul. Vous avez fait un jeu, vous avez décidé de pas me parler, c'est ça? Ah, super cool, waouh, le jeu. Welcome to Busch Gardens Tampa Bay. Les amis, deuxième jour, petite matinée. Je suis trop content d'être là, Benji, je te l'ai pas dit. Merci mon frérot, il y a vraiment 5 minutes, tu m'as dit tout l'inverse depuis. Je n'étais en dehors du parc, là, on est dans le parc, frère. Est-ce que tu commences pas par une petite glace? Petite glace? Petite glace? Les gars, c'est fait depuis hier, on cherche une glace, on en a pas toujours pas pris une. On rend des fous. Les gars, apparemment, il envoie en l'air celui-là. Sur 10, c'était n'importe quoi. 7 sur 10, la descente est folle. L'avant, l'arrière. 11 sur 10. Il faut qu'il touche le. On sort à peine du Tiger, franchement, petit mais puissante, c'est comme ça que je décrirais cette attraction. Je mets la note de 7 sur 10. Le potentiel c'est un 7 sur 10, sauf que c'est fils de pute, contrairement à tous les parcs d'attractions du monde. Ils se sont pas dit, on va mettre des casiers comme ça, les gens peuvent mettre leurs affaires comme ça. Du coup, je suis comme ça avec mon tel tout le long, ça passe de 7 à 3. Marceau, c'est juste une flippette. 8,5 sur 10, j'ai été très surpris. L'objectivité est périssable. Vous avez la mis 3, parle de toi. Ne touche pas, me touche pas. Les gars, c'est que des confesses. Calma. T'as mis 8,5, Aaron Gwazi, frère, l'une des meilleures du monde. Sur 10, c'était horrible. Rasez-moi ça dans l'action. Zéro. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ben, j'ai kiffé le parc. Ah, c'est incroyable. Allez faire les petits jeux d'adresse. Les jeux d'adresse, ils sont trop sains, frère. Soit on est trop fort, soit c'est trop sain. Je pense que vous êtes fort, en général, quand vous êtes des mecs assez balèzes. Merci. C'est vrai, ça va pas se mentir. C'est la première vidéo de ce long périple, de ce voyage aux États-Unis, les amis. Demain, on part à Disneyland. Et Dieu sait que je kiffe Star Wars. Allez, sur Star Wars, on va se régaler. Il y a aussi Guardian Galaga. Il y a aussi les gars de la galaxie. On remercie énormément Insta360. Merci Insta360, merci beaucoup. Merci, trop sympa Insta360. Merci. Sans qui le voyage aurait été impossible. Et surtout, ces caméras, c'est ce qui nous a permis d'immortaliser ces moments de fou dans les roller coasters. Merci Insta360, merci beaucoup les abonnés d'avoir regardé la vidéo. Il demande si on peut faire une attaque éclair. Attaque éclair, Pikachu. Pikachu, attaque éclair. Pikachu!